Sons of Patate, comment allez-vous? Je vais très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc je vais vous apprendre à comment créer un sondage. Voilà. Donc, le site que je vais vous présenter n'est pas Pixul, que je pense que la majorité des gens doivent connaître, mais c'est un autre site que je vais vous présenter qui s'agit de StrawPoll. Donc, en plus, ce site-là, comparé à Pixul, il est très très simple et en plus, il ne nécessite pas du tout d'inscription. Voilà. Donc, commençons tout de suite. Donc, dans Tap You Question Here, vous allez taper la question que vous, souhaitez mettre dans votre sondage. Donc, en l'occurrence, moi, je vais mettre par exemple sur quoi aimeriez-vous que je fasse un tutoriel. Bon, c'est une question complètement au pif, mais bon, on s'en fout pour le tutoriel. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir que le seul défaut de ce poll, c'est que vous pouvez mettre que 4 réponses. Donc, si vous voulez faire un sondage plutôt rapidement, ça peut être plutôt bien utile, mais bon, sinon, il faudra passer sur Pixul. Voilà. Donc, ensuite, dans Hunter Poll Option, vous mettez les réponses donc, que vous souhaitez mettre. Donc, en l'occurrence, je vais mettre par exemple After Effects, Cinema 4D, Windows, et puis voilà. Ensuite, vous pouvez voir que vous pouvez cocher deux trucs. Donc, à quoi servent ces deux choses? Donc, la première chose, c'est Allow Multiple Poll Choice. Donc, si vous cochez, les gens qui iront sur votre sondage pourra voter pour plusieurs réponses. Mais si vous ne le cochez pas, ils ne pourront répondre qu'à qu'une seule réponse. Donc là, par exemple, je vais le cocher. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est Permissive Vote Duplication Checking. Alors, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Donc, si vous comprenez un minimum l'anglais, vous pouvez cliquer sur Home, qui est juste à droite. Et puis, si vous savez ce que ça veut dire, je vous invite à marquer dans les commentaires. Ça pourrait être bien sympa pour le tutoriel. Et puis, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait votre sondage, etc., vous cliquez sur Create Poll. Et ça y est, votre sondage est créé. Vous avez le lien ici qu'il va falloir partager sur votre Twitter, Facebook et j'en passe. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais faire un nouvel onglet sur le lien. Et donc, voilà comment ça ressemble. Donc, voilà, vous avez la question en haut. Et ensuite, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Voilà quoi. Donc, s'il y a marqué Pick One, c'est il faut choisir qu'une seule réponse. Et s'il y a marqué Pick One au mort, ça veut dire que vous pouvez choisir plusieurs réponses. Et ensuite, vous pouvez voter. Voilà. Et vous pouvez même découvrir les résultats avant de répondre à la question. Et ensuite, si vous souhaitez le mettre sur un site avec des liens HTML, vous pouvez cliquer sur Embed pour avoir le lien HTML et le mettre sur votre site, par exemple. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel pour comment créer un sondage vous aura plu. En tout cas, c'était The Patate. Restez connectés. Ciao tout le monde.